Salut les amis, ça va? Je suis venu ici à Best Buy. Best Buy, c'est le meilleur, hein, le meilleur là où les Américains, les vrais Américains viennent acheter. Je viens ici acheter mon laptop pour commencer le cours d'informatique. Je n'ai pas reçu le bourse à l'université. Je suis pas encore, j'étais pas parmi le. Hein, oh, voilà. Donc, je n'ai pas eu le bourse d'études à l'université parce que je n'ai pas encore atteint le critère, mais d'ici une année, peut-être j'aurai une bourse, mais je suis venu chercher un laptop pour commencer le cours de l'informatique. Hein. J'envisage déjà commencer à travailler comme ingénieur, tout ça, ingénieur technicien. C'est ma nouvelle chanson, ce n'est pas encore sorti, mais pour vous, je vous aime et vous pouvez écouter ça. Donc, 850$, c'est le laptop ici, regardez comment c'est bon. C'est joli, hein? Ça, vraiment, c'est le laptop des Américains. Hein? Ça, c'est $850. i5. Non, ce n'est pas i5, c'est i5. $850 i5, 250 quelques gigabytes RAM, non, gigabytes intérieur. Ça, c'est joli, hein. Graphique même, ça, même si dans le noir, tu peux toujours voir. Ça aussi, c'est joli. Ça, c'est le top de tout. 1050, c'est i7. Oh mon Dieu, mon roi. i7, c'est joli, hein, ça. C'est joli. Ça, vraiment, c'est. Ce n'est pas le laptop que vous achetez $150. Ça, ce n'est pas vraiment le laptop de $150. Ça, c'est vraiment le laptop des ingénieurs, même. Ça, c'est $1729. Ça, c'est. J'arrive même pas à lire les histoires-là. Ça, c'est joli. C'est i1390 i7. Ah, ça, c'est 16 gigas RAM mémoire. Non, ça, c'est la rapidité. Hein. De nouveau, vivant. Chérie Nanga. Ah, ça, c'est $1889 i7. Les ordinateurs même des ingénieurs même. Donc comme moi je veux faire un peu les techniques, un peu de être un peu des programmeurs, ça c'est $1200. Je sais pas qu'est ce que je vais prendre ici, je n'ai pas assez d'argent, mais ça je mets parce que c'est i5. C'est $500 en promotion. Ça, c'est mon frère qui est en train de voir un peu ça. Il m'a dit que ça, c'est mieux. C'est aussi comme une tablette aussi. Parfois, ça devient tablette. Parfois, ça retourne. Ça, c'est le système de MDR Ryzen 5. C'est la même chose avec 8 gigas mémoire. Il m'a dit que c'est fort. 8 gigas mémoire. 8 gigas mémoire RAM, tu vois. Les Ryzen 5, moi je connais pas ça, c'est ma première fois, il me dit que c'est la même chose avec i5. Mais ça c'est un peu plus puissant, performant que i5. C'est 256 GB, vous voyez. On a vu les i5 là-bas, c'était dans le 800 et quelques. Mais ici, peut-être je vais prendre l'autre là même. Parce que ça devient aussi tablette. Malgré c'est petit, mais je veux aussi économiser de l'espace. Donc, je vais mettre une chanson encore de moi. Ça aussi, je voulais prendre ça. Mais, sauf que c'est cher vraiment ça. Ça, c'est cher, c'est i7 Intel. Tu vois, c'est aussi dans les screens, tu vois. Ça fonctionne avec les screens. Les bienvenus, ça, ce sont les laptops vraiment évolués. Hein?
Je n'ai même pas besoin de sourire ici. Ça aussi, c'est joli. C'est joli, mes amis. Ça, c'est vraiment, c'est laptop. Dis-moi un peu, les laptops chez vous, ça coûte combien? Les i5, tu vois comme ça brille, tu vois, le design. Ça, c'est Samsung. Mais je vais prendre ça, mais le monsieur m'a dit que l'autre là, c'est performant. Donc, pour le système de l'informatique, c'est bon d'acheter toujours les nouveaux les laptops déjà connus. Les Dell, les Samsung ici, vraiment pour les choses vraiment de l'informatique, ce n'est pas vraiment très connu. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment. C'est le même système, mais ce n'est pas vraiment très performant, tu vois. Là, quand tu vas créer le base de données, les programming, ça c'est $300. Ça aussi, je voulais prendre ça, mais c'est, je n'ai pas vraiment. Bon, je ne sais pas, $300. C'est i3, si je vois bien, c'est i3. C'est i3. C'est i3. Les mamans ne vont pas comprendre ça. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est i3. C'est i3. Je voulais aussi prendre ça, mais bon. J'ai aimé, mais j'ai vu les graphiques, c'est pas vraiment très excellent. Les graphiques, non, je n'ai pas vraiment aimé. J'ai aimé, mais bon. Je n'ai jamais acheté i3, mais je me suis dit, laisse-moi seulement acheter seulement i5. Ça c'est i3 aussi. Si je vois bien, je n'ai pas bien vu. I belong to you, $529, i5. Tu vois maintenant, c'est que ça m'a embrouillé. i5, donc ça c'est 550. L'autre là que je veux prendre, c'est $500. Regarde un peu la différence avec ça. Ça c'est un peu basique comme ça. Les touches, ça brille même pas, les touches. Les claviers même, ça prend même pas le quoi. Il n'y a même pas la lumière sur le clavier. C'est i5, mais je demandais, on m'a dit que i5 et l'autre là, des 5 là, les 5, et là c'est plus performant que ça ici. Donc, ça c'est ma main, non? Vous me connaissez déjà. Ça aussi j'ai mis Dell. Dell aussi c'est très 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 excellent. Pour le coup de programming. Quand tu viens ici aux États-Unis, il y a le travail qui paye. Hein? Donc, tu ne seras pas obligé d'aller travailler dans les warehouses, être debout, depuis le matin jusqu'à le soir, c'est mal, debout. Non. Il faut aussi changer. Tu pars aussi au bureau, tu t'assois. Parfois, tu travailles à la maison. Ça m'a vraiment... Mes amis, je fais 2 jours pour avoir ça. Je fais 2 jours pour avoir ça. Et ici, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas là-bas et on m'a dit qu'il y en avait dans un autre store. Et je suis venu ici, il y en a. Ça, c'est l'échantillon, mais je ne veux pas prendre ça, on va prendre dedans. Au pays comme le Brésil, s'il n'y en a plus, tu peux même acheter même l'échantillon comme ça. Mais ici aux États-Unis, on n'achète pas l'échantillon. Bon, je vais seulement prendre ça. Je vois ça ici. Regardez-moi. Ça devient comme une tablette. J'avais peur que ça, tu vois les touches, ça brille même, mes amis, même la nuit. Waouh, $500. Donc je pense ça, je vais acheter ça cash. Mes amis, il ne faut pas prendre les dettes ici. Payer cash, c'est bon, je paye, j'oublie, c'est fini. Waouh, c'est devenu tablette, mes amis, vous n'avez pas idée. Tablette. En plus, les touches aussi, ça fonctionne aussi. Il n'y a même pas moyen que je touche avec les tablettes, mes amis, $500. $500, je suis arrivé déjà à la maison. Laisse-moi, je ne veux pas manger. C'est la joie, je suis ici déjà à la maison. J'ai acheté ça. Je l'ai acheté cash. Je suis chez moi, dans ma chambre, au studio. Je suis au studio ici. Déjà, je suis en train de tester un peu la rapidité. Je teste un peu la rapidité ici. Je l'ai acheté cash. Je suis chez moi à la maison.
Donc, je vous dis merci, merci de m'accompagner. Et quand je vais commencer le cours, je vais vous faire signe. Le cours, c'est 600 $. Mais tu sais, moi, je paye combien? Je paye la moitié du cours à 11 $. Le cours de 600 $, moi, je l'ai payé à 11 $. La première partie, c'est deux parties. Partie A et partie B. Moi, je vais payer ça 11 $. Et l'autre partie aussi, je vais payer ça 11 $. Ça sera une somme de 20 quelques dollars comme ça. Donc, je devais payer 1 200 $, mais moi, je vais payer dans le 20 quelques dollars comme ça. Donc, c'est un peu ça. Les laptops, je l'ai eu à... c'est en promotion.